mes photos. Au revoir, Lover Move. Au revoir, ma chambre. Chut. Ah. Oh, Grippy! Oh. Non, 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 c'est le premier endroit où elle va chercher. Au revoir, le salon! Nina! Qu'est-ce que tu fais là-haut, microbe? Y a pas que toi qui a le droit de dire au revoir à la maison, l'alien. Au revoir, les livres! Au revoir, gentille bibliothèque! Au revoir, le tabouret! Il a été livré en kit, mais ils ont oublié le cerveau. Le cahier de vacances. On pourra jamais faire entrer tout ça dans le coffre. C'est ton sac, celui-là? Eh bien oui, c'est mon sac. Ça te pose un problème? Non, 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 j'ai rien dit. Bon, ça va, hein, on reste zen. Et voilà, ça y est, j'ai fini. Je vais dire au revoir à Grippy. T'es telle mère, telle fille. J'ai rien dit, on reste zen. Les affaires de Tom, on a oublié son sac. Turbo pistolet laser, atomiseur d'alien, équipement subaquatique de combat. Tom, tout le monde est prêt, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je remplace tout ce qui sert à rien par mon nécessaire de combat ultra primordial. On part au bord de la mer, Tom. Pas sur un champ de bataille. Mais maman, il faut bien que je nous défende. Les aliens peuvent être n'importe où, même à la plage. Surtout à la plage. Grippy, on part à la mer, on peut pas t'emmener. Mais t'inquiète pas, la voisine viendra te donner à manger, ça va vite passer. Je sais, toi aussi tu vas me manquer. Au revoir le jardin. Au revoir la cabane. Au revoir Tom. Bon alors on y va? Je crois qu'on est obligé de l'emmener avec nous. Tant pis, au moins j'aurais essayé. Et toi, tu vas me faire le plaisir d'enlever ce masque, tu vas t'étouffer. Et voilà. Bon, bah si quelqu'un a oublié quelque chose, c'est trop tard. En tout cas, moi j'ai pas oublié mon cahier de vacances. Tom, où elle tient? Il doit sûrement être dans mon sac. Tom, si tu l'avais rangé dans ton sac de voyage, je l'aurais vu. Hein? Au pire, je le remplirai en rentrant des vacances. Allez, tout le monde descend. On doit retrouver le cahier de vacances de Tom. Oh non, alors. Non, 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 on est déjà en retard sur l'horaire. Papa a raison, on va pas gâcher nos vacances à cause d'un cahier de rien du tout. Qui a parlé de gâcher les vacances? Tada! Le voilà, ton cahier, microbe. Alors, on dit merci qui? Parfait. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour les vacances. On va s'éclater. Pas vrai, microbe? Mon ange, est-ce que toi aussi tu sens ce délicieux parfum de vacances? Ah, le soleil, le ciel bleu, la mer, le farniente, la tranquillité et la détente. Bonjour, bonjour, ça va? Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous regarder comme ça? Eh bien, voir, microbe. Vu qu'on va partager le même espace pendant toutes les vacances, j'ai écrit un règlement intérieur pour nous faciliter la vie. Tu ranges tes affaires tous les jours. Tu laisses tes chaussettes sales à l'extérieur du mobilhome. Tu te douches tous les soirs. Et tu ne hurles pas chaque fois que les parents veulent te faire faire ton cahier de vacances. Et maintenant, tu signes ici, là où il y a écrit « lieu est approuvé ». Non, mais t'as perdu la boule, l'alien. Je signerai jamais ça. Je suis en vacances, moi, pas en prison. Je vis comme je veux. T'as intérêt à signer. Non, je vais pas signer. Tom, Nina, ça suffit maintenant, hein. Les enfants, vous savez ce que c'est, hein. C'est... Ah, le délicieux parfum des vacances, la tranquillité. Et tu signes tout de suite mon règlement intérieur, microbe, ou tu dors dehors. Doucement, Nina, calme-toi. Tom a raison. C'est les vacances. Une douche pas prise un soir ou quelques chaussettes qui traînent à l'intérieur, c'est pas la fin du monde. Au fond, c'est aussi ça, hein, le camping. Pardon. Demain matin, attaque à la chaussette sale. Ouais, et on lance une grève du cahier de vacances. Je te demande pardon. Bon, d'accord, ça coûte rien d'essayer. Oh.
folle ou quoi? De toute façon, t'as pas de cerveau, alors ça sert à rien que tu l'aères. J'ai peut-être rien dans le ciboulot, mais en tout cas, j'ai un ourson dans l'épuisette. Attrape ça, l'alien. Je suis désolée, mais le point est à moi. N'importe quoi, Microbe. Ce point est à moi d'au moins un mètre. Une tricheuse, t'as avancé ta boule. Boule touchée, boule éliminée. J'ai une nouvelle règle. Boule du Microbe, boule éliminée. Match nul, Microbe. D'accord. Alors, Tom, raconte, comment ça s'est passé, la pêche? J'ai sauté sur un poisson, mais il allait trop vite. Enfin, il a eu de la chance, plutôt. Ah ouais, il a eu de la chance, plutôt. Maintenant, c'est l'heure de remplir ton cahier de... Hé, l'alien! Il faut que tu m'aides à me cacher. Maman me poursuit pour me faire faire mes devoirs de vacances. Tu peux bien faire ça, je t'ai prêté ma canne à pêche. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Veuillez nous laisser tranquilles, mes nouvelles copines et moi. Vous devez faire erreur sur la personne. Au revoir, monsieur. Te voilà. J'ai cru que tu essayais de t'enfuir pour ne pas faire ton... Oh, mais qui êtes-vous, madame? Je ne vous connais pas. Veuillez me laisser tranquille. Au revoir, madame. Et Nina, pourquoi tu l'obliges pas à le faire, son cahier? Nina est grande et elle fait son cahier de vacances sans qu'on ait besoin de le lui demander. Tom, je veux juste une petite page par jour. C'est quand même pas le bagne à la fin. Je veux pas le faire, je veux pas, je veux pas. Chérie, tu peux prendre leur lait, sinon je crois que je vais le donner à manger au requin. Oh, cette fois, t'as vraiment réussi à énerver maman. Tiens, les voisins sont partis. Hein? Ah ouais, tiens. Ils ont demandé à changer de mobile home. Ah bon? Remarque, c'est une bonne nouvelle, ils étaient vraiment pas drôles. Ouais, écoute, Tom, à propos de tes devoirs de vacances, je crois que j'ai une petite idée. Bon, bah, moi, je vais pêcher. Bon, bah, je vais faire une partie avec mes copines. Bon, bah, moi, je vais me baigner. Tu viens, Microbe? Je te rejoindrai plus tard, l'alien. Je dois finir mes devoirs. J'ai enfin fini mon cahier de vacances. J'ai enfin fini mon cahier de vacances. Ça tombe bien, les vacances sont finies, Microbe. Et les vacances sont finies. Les vacances sont finies. Une grève du cerveau devient indispensable. Quoi? Les vacances sont finies? Mais il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. J'ai pas eu le temps de chercher le trésor caché de Barberousse. J'ai pas eu le temps de combattre une pieuvre géante, de construire un sous-marin, de nager avec les dauphins, ou de compter le nombre exact de poissons dans la mer. Maintenant que tu le dis, Microbe, moi aussi je me rends compte que j'ai pas eu le temps de faire quelque chose. Ah bon? C'est quoi? De faire manger du sable. Tom, je suis fier de toi. T'as fini tout ton cahier de vacances. Et moi, on m'oublie? Pourquoi on me félicite jamais? Alors que le Microbe, dès qu'il fait un petit devoir de rien du tout, il a le droit à tous les honneurs. Parce que moi, j'ai fait mon cahier de vacances. Toi, tu l'as pas commencé. Papa, regarde le cahier de vacances de Nina. Je te parie qu'il est vide. Ah, le pauvre, il sait plus quoi inventer. Hein? C'est normal que papa et maman me félicitent pour mon travail, parce que moi, je l'ai fait et pas toi. Nina, ton cahier de vacances est complètement vide. Hein? C'est Tom! Il a tout gommé! C'est même pas vrai, elle dit des mensonges. Étrange. Je l'ai vérifié hier et il était complet. Tom? Nina, elle travaille bien. Nina, elle fait toujours ses devoirs. Nina, elle est sage. Il y en a que pour elle. C'est elle que vous préférez, hein? Allez, vous pouvez le dire, c'est elle. Tom, enfin, qu'est-ce que tu racontes? On vous aime tous les deux pareil. Mais bien sûr, enfin. C'est comme si je te demandais si tu préfères papa ou moi. Ben moi, c'est facile, je préfère papa. Lui, au moins, il me donne des sous pour faire mon cahier de vacances. J'ai bien entendu. Eh ben, c'est... Ouh là là, ben, au moins, tous les deux, hein, ils ont fait leur cahier de vacances. C'est bon de rentrer chez soi, tu trouves pas? Oh. Dis, t'as pas un peu grossi? Il va falloir reprendre les séances de sport. Sans oublier le régime poireau-carotte. On t'a rapporté des souvenirs, du bon sable chaud, des coquillages, des étoiles de mer, des méduses. Et maintenant la touche finale, de l'eau salée. Alors, t'es content? T'inquiète pas, Grippy, maintenant qu'on est revenu à la maison, on te laissera plus jamais seule.